الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا البارحة قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Et celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut des humains mécroit. هلا قد يطرح قد يلقى عليكم مثلا حديث، مثلا يقال إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ويريدون بذلك إثبات الانفعال إلى الله عز وجل. Alors peut-être quelqu'un il vous donne un hadith pour attribuer à Allah Ta'ala le fait d'avoir des sentiments ou de colère et de changement d'un état à un autre. Parce que nous on dit Allah Ta'ala ne change pas, Allah Ta'ala on ne lui attribue pas les attributs des créatures. Et il dit dans le hadith, au jour du jugement, « Inna Allah ghadiba ghadaban, lam yaghdab qablahu mithlahu, wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. » Et même dans le hadith, que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'Allah Ta'ala fait apparaître aujourd'hui, dans ce jour, des actes et des événements pour effrayer les non-croyants qu'il n'a pas fait avant et ne le fait pas après. C'est quelque chose de spécifique pour le jour du jugement. يظهر الله اليوم من آثار غضبه ما لم يسبق مثله قبل ولا يسبق ولا يأتي بعده أيضا. C'est-à-dire Allah fait apparaître aujourd'hui, c'est-à-dire le jour dernier, fait apparaître certaines choses dont l'effet de son châtiment qui n'ont pas eu lieu avant et quelque chose qui ne va pas être après. C'est dans ce sens-là. لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. ليس معناه أن الله ينفعل ويتغير من حال إلى حال. Ça ne veut pas dire le hadith que Allah s'énerve et Allah se met en colère et que change d'un état à un autre. C'est pas ça. إنما لأنه أنت مثلا بالحديث نعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده. لو كان هنا الغضب بمعنى الصفة أنت تستعيذ من صفة الله. Si الغضب toujours passe dans le sens attribut, alors toi tu demandes à Allah Ta'ala d'être préservé de son attribut, mais plutôt de son châtiment. C'est plutôt de son châtiment. إذن هذا الحديث ليس معناه أن الله يتغير، إنما الله يظهر. الله fait apparaître l'effet de ça, de certaines choses, de son châtiment, le jour du jugement, qu'il n'a pas fait avant, qu'il n'a pas fait apparaître avant et qu'il ne fait pas apparaître par la suite. لذلك قال الطحاوي: فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. لما قال في الأول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، celui qui attribue à الله تعالى un attribut parmi les attributs des humains a mécru. C'est la parole de Tahawi. Si tu attribues à Allah Ta'ala la couleur, la forme, l'aspect, l'image, les membres, le fait d'être un grand corps ou le fait d'être un corps moyen, le fait d'attribuer à Allah Ta'ala les attributs des créatures, ça fait sortir de l'islam. C'est pour cela qu'il a dit après, فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اَعْتَبَرَ يعني اعتبر نفسه أخذ العبرة من هؤلاء الكافرين الذين يشبهون الله بخلقه فلم يقل مثل مقالتهم. Celui qui comprend ce qu'on vient de dire
il a dit Tahawi, il va prendre la méditation en regardant ces non-croyants qui ont mécru lorsqu'ils ont attribué à Allah Ta'ala les attributs des créatures, lorsqu'ils ont comparé Allah Ta'ala avec les créatures. Alors lui, il prend méfiance, il dit non, je ne veux pas être avec les mécréants. فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اَعْتَبَرْ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرْ. Il ne veut pas dire comme la parole dite par les non-croyants. Qui sont? Parce que lui est en train de dire que celui qui attribue à Allah les attributs des créatures. الَّذِي يَصِفِ اللَّهِ بِصِفَاتِ الْبَشَرِ. Celui qui attribue à Allah Ta'ala les attributs des créatures a mécru. Alors puisqu'il mécroit, celui qui attribue à Allah Ta'ala les attributs des créatures, alors toi tu t'éloignes de telle parole et tu te limites à ce qu'Allah a dit et son messager. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال وأن إلى ربك المنتهى هل تعلم له سميا. Alors tu arrêtes de comparer Allah avec les créatures ou de donner une similarité avec les créatures et tu dis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans l'ayat que je viens de citer qui signifie rien ne lui ressemble, rien n'est tel que lui, rien n'est pareil à lui. Ne donnez pas d'exemple à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imagination et la raison de l'être humain s'arrêtent lorsqu'on parle de Dieu, c'est-à-dire on ne peut pas atteindre sa vérité. لذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال العجز عن درك الإدراك إدراكه والبحث عن ذات الله كفر وإشراكه. علمي بأني عاجز عن إدراك حقيقة الله هذا إدراك هذا علم. والبحث عن ذاته يؤدي إلى الكفر والإشراك. ما connaissance que je suis incapable de connaître Dieu, ma connaissance que je suis incapable de connaître la réalité de Dieu, c'est une connaissance, c'est un savoir. Je suis incapable de connaître la réalité de Dieu, c'est un savoir. Et le fait de chercher la réalité de Dieu, le fait d'aller chercher que quelqu'un, il veut dire, je veux connaître Dieu, il veut aller alors dans le fait d'imaginer, il va tomber dans le kufr et il va tomber dans l'anthropomorphisme. وَالْبَحْثُ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ كُفْرٌ وَإِشْرَاكُ. الْبَحْثُ عَنْ ذَاتِهِ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرُ وَالْإِشْرَاكُ لَمَّا تَعْتَقِدْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِيش جِسْم. يروى عن الإمام الشافعي. Ça a été rapporté que l'imam Shafi'i رضي الله عنه قال من انتهض إلى معرفة خالقه فانتهى إلى العدم الصرف فهو معطل وإن انتهى إلى موجود يصل إليه فكره فهو مجسم وإن انتهى إلى موجود اعترف بالعجز عن إدراك حقيقته فهو موحد. On rapporte cette jolie parole de l'imam Shafi'i رضي الله عنه أدي. Celui qui cherche à savoir, à connaître Dieu, alors, ou à celui qui l'a créé, s'il arrive à dire « rien, je suis venu du rien », alors c'est un athée et c'est le pire de toutes les sortes de mécréances et c'est le plus grave, le fait de nier l'existence de Dieu. Alors celui qui dit « ah, je suis venu du rien », alors c'est un mu'attil, c'est un mulhid et c'est le plus grave de toutes sortes de mécréances. Alors maintenant, celui qui a été cherché à connaître celui qui l'a créé, et il est arrivé à dire, j'ai un créateur, je peux l'imaginer, je peux le cerner par ma raison. Alors c'est un mushabbé, c'est un mujassim, et c'est un kafir aussi, parce qu'il a admis qu'il arrive à le connaître. Alors c'est un mushabbé, c'est un mujassim. Et celui qui est arrivé à dire, j'ai un créateur, et je suis incapable de connaître sa réalité, ça c'est un mouahid, ça c'est un bon croyant, ça c'est un bon musulman. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à déduire que j'ai un créateur, bien sûr, je ne suis pas venu du rien, il y a un créateur qui m'a créé, et ce créateur, on ne peut pas le cerner par la raison, et on ne peut pas l'imaginer par notre imagination. Je suis incapable de connaître sa réalité. Alors ça c'est le bon mouahid, ça c'est le bon musulman, ça c'est le bon croyant. Alors voilà ce qu'il a dit à l'imam al-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu. Alors bas la ta'arif anhu lama sharaha kalimat la ilaha illallah al-imam al-Bayhaqi, lorsqu'il a commenté al-Bayhaqi en rapportant la parole de Abi Abdullah al-Halimi
أبو عبد الله الحليمي من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. Tu dis l'imam Shafi'i, c'est l'imam de l'école Shafi'ite, c'est lui l'imam. Après, il a des imams, des compagnons, des élèves qui sont proches de son rang. Ils sont proches de lui, mais ils sont un mujtahid dans son école. Alors on dit, voilà, min ashab al-wujuh, c'est les imams qui favorisent et qui peuvent tirer et déduire du jugement selon les règles de l'imam Shafi'i. Alors Abi Abdullah al-Halimi, il est parmi ces imams, et c'est un imam qui a plusieurs sortes de sciences et de connaissances. Il a dit, celui qui dit qu'Allah est encore assis sur le trône, comme le roi il s'assoit sur son lit ou voilà, sur son trône, ou le fait de dire qu'il est encore, ou le fait de dire qu'il est une quantité, il a dit, il est dans la mécréance, comme les athées et comme les associateurs. Et il a dit ça, Al-Bayhaqi, dans son livre Shu'ab al-Iman, premier volume, à la page 104. Alors, l'imam Al-Bayhaqi a rapporté la parole de l'imam Al-Halimi, que celui qui dit qu'Allah assis sur le trône, comme le roi il s'assoit, comme toi tu montes sur la toiture et tu t'assois, alors c'est lui qui dit qu'Allah il s'assoit de cette manière sur le trône, comme tu montes sur un âne ou un mulet, comme tu montes sur la toiture. Parce qu'il y a certains mujab, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certains égarés, on dit comme ça. Ils ont dit, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Il a dit, lorsque tu montes sur la toiture, on dit, istawait ala al-saqf ou ala al-satuh. Lorsque tu montes sur la monture, on dit, istawait. Alors il a dit, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. C'est pour dire qu'il est au-dessus et il s'asseye. Il a dit que celui-là, il est dans la mécréance, comme les athées et comme les associateurs. Il ne faut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs des créatures. Et d'ailleurs, l'imam al-Tahawi, هذا imam mujma'un ala imamati. Nous sommes en train de commenter le livre d'un grand imam qui s'appelle Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi. Taha, c'est une ville à Misr. Lui, il était parmi les élèves de l'école de l'imam Shafi'i. Puis après, il a quitté pour rejoindre les Hanafites. Mais toute la Ummah, que ce soit le Hanafiya ou le Shafi'iya ou le Malikiya, ils disent l'imam al-Tahawi, imam mujma'un ala imamatihi, imam thiqatun adl. يعني هذا الكتاب الذي نحن بصدد الكلام فيه هو قال في أوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. Il a dit ça c'est la courance de أهل السنة والجماعة. هذا إمام مجمع على إمامته من 1100 سنة. هو بالأصل كان شافعيا ثم صار حنفيا، ومع هذا الشافعية والحنفية المالكية وغيرهم من الحنابلة مجمعون على إمامته وعلى توثيقه وعلى عدالته، وهو في هذا الكتاب ما قال أنا أحكي لكم عقيدتي، قال أنا أحكي لكم عقيدة أهل السنة والجماعة من عبارات أبي حنيفة وصاحبه. Lui, il n'a pas dit « Je vous rapporte ma croyance ». Il a dit « Je vous rapporte la croyance de Ahl al-Sunna wal-Jama'a qui sont le groupe sauvé. » Le Nabi alayhi salatu wa salam a dit « وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَ فِي الْجَنَّةِ قِيلَ وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ في رواية قال الجماعة وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. هلا إذا قلت الجماعة يعني السواد الأعظم، وإذا قلت قال ما أنا عليه وأصحابي فهؤلاء السواد الأعظم هم بقوا على ما كان عليه النبي والصحابة. Alors la voix de أهل السنة والجماعة qui sont la majorité, si tu dis actuellement il y a 2 milliards qui s'attribuent à l'islam, peut-être أهل السنة والجماعة ils seront 1,7 milliard. Parce que tu dis les chiites peut-être 200 millions, 10%. Et tous les autres sectes ensemble, je ne sais pas s'ils arrivent à avoir 100 millions. Ils n'arrivent pas à avoir 100 millions. Alors, le reste, c'est la majorité de la communauté musulmane. Et lorsque Nabi alayhi salatu wa salam a dit « Et ma communauté va être divisée en 73 groupes, tous dans l'enfer sauf une. » On a dit laquelle? Il a dit la majorité. « Al-Jama'a, la majorité. » Et dans une autre version, a dit « ceux qui me suivent
moi et mes compagnons, ceux qui sont avec moi et mes compagnons. Alors, à la majorité des musulmans, ils suivent الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى compagnons. نحن لسنا كالشيعة الذين قالوا 114 ألف صحابي كبهم بزبالة في عشرة مناح. Nous on n'est pas avec les chiites qui ont dit 114,000 compagnons ajoutés, il y a 10 ou 15 qui sont bien. C'est pas normal. C'est pas normal. تعرف ليش؟ لأن النبي بقي 23 سنة يعلم. بعد 23 سنة من أصل 114 ألف تلميذ بس 10 أو 15 هم جيدون والبقية فسق وكفر. هذا طعن بالنبي، هذا طعن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. C'est bon? Alors j'ai dit, c'est pas normal de dire qu'il y a 10-15 compagnons qui sont bien et tout le reste sont pas bien, parce que Sayyidina Muhammad a enseigné pendant 23 ans. Pendant 23 ans, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, jusqu'on a eu à peu près Sahaba 114 000. Alors si tu dis 15, ils sont bien, c'est comme tu dis alors, Al-Nabi, il s'est pas éduqué, il s'est pas enseigné, il avait 114 1000 élèves, il y a 14 qui sont bien. C'est comme tu dis à l'université de Lausanne, pendant 25 ans, pendant 23 ans, ils ont eu 114 000 élèves du monde, il y a 14 qui ont réussi. Tu dis, il y a un problème à l'université. Le directeur, il faut le virer. Et les enseignants, il faut les convoquer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ce qu'ils disent, les chiites, au niveau de Sahaba, c'est faux, faux, faux. Et c'est une reproche à Sayyidina Muhammad alayhi salat wa salam. إذن ما كان عليه الصحابة ما كان عليه الصحابة هم الذي بقوا عليه السواد الأعظم. La majorité de la communauté musulmane, ils suivent les compagnons du prophète alayhi salat wa salam. Et c'est pour cela que j'ai dit la majorité, c'est à peu près 1,7 milliard. Alors là, asseyez-vous là, les frères. C'est l'heure ou pas encore? Oui, c'est l'heure, oui. إذن علينا أن نتمسك بالسواد الأعظم. On doit rester avec la majorité pour être avec les sauvés. Et cet imam qui s'appelait l'imam al-Tahawi, il nous a rapporté cette croyance. Et vous allez trouver la même chose bien notée par l'imam Abu Mansour al-Tamim al-Baghdadi dans son livre Al-Farq Bayn al-Firaq. Encore, il a rapporté la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.